aux âmes, à ce jour, au dos du coquin. Le psaume 139. Éternel, on se met debout pour lire attentivement les versets du psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu m'entoures par devant et par derrière, tu mets ta main sur moi. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, si je vis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre n'est pas. Ô Dieu, puis-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui les haïssent? Tu découvres pour ceux qui se lèvent contre toi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Thank you.
frères et sœurs, avec. Tout comme il y a des dates qui sont comme le rendez-vous de l'histoire, il y a aussi des moments qui sont comme le rendez-vous de l'histoire. Ce moment, pour nous, et plus spécialement pour vous, les missionnaires, restera indélébile dans le calendrier de votre existence. L'an dernier, quand Pasteur Mathieu partagea avec nous cette idée, nous tous, nous y sommes embarqués, car l'idée parut extraordinaire, et ainsi elle a fait son chemin. Je suis certain que depuis l'an dernier, vous tous, vous attendiez ce jour. Ce jour où vous aviez compté et entré dans ce que les Américains appellent le Hall of Fame, de tous ceux qui ont atteint la majorité civile. Au nom du corps pastoral de l'Église, au nom de tous ceux qui ont la majorité civile, je suis particulièrement heureux et très honoré de vous accueillir parmi la cohorte des adultes de l'Église. Les frères et les sœurs, fraîchement majeur civile, je dois vous dire qu'à cette majorité civile dont vous jouissez cette année, vient s'ajouter, ou encore devrait aussi s'ajouter, une autre majorité. Ce devrait être la majorité spirituelle. 6570 jours environ de cela, vous étiez tous dans les bras de maman et de papa. Vous étiez tous des bébés là-bas. N'est-ce pas vrai? Et voilà qu'aujourd'hui, vous atteignez votre majorité civile. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que vu votre statut d'enfant de la promesse, vous devez aussi